Oui, de tout mon cœur, par la grâce de Dieu. Associé au sein de l'Assemblée du Plein Évangile, je m'engage à aimer mon Seigneur Jésus-Christ et à le servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Je m'engage à collaborer dans le cadre des cinq ministères dans le travail pour le perfectionnement des saints et cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Je m'engage. Moi, Justin Baudot Ngongo, je m'engage à collaborer dans le cadre des cinq ministères dans le travail pour le perfectionnement des saints et cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Moi, Corolo Pala Francis, en ces jours de ma consécration en tant que pasteur associé au sein de l'Assemblée du Plein Évangile, je m'engage à aimer mon Seigneur Jésus-Christ et à les servir de tout mon cœur. Moi, Zola Nambazulu François Macolin, en ces jours de ma consécration en tant que pasteur associé au sein de l'Assemblée du Plein Évangile, je m'engage à aimer mon Seigneur Jésus-Christ et à les servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je m'engage à y tenir dans la fidélité à tous égards et dans la vérité de la parole de Dieu pour paître le troupeau que le Seigneur me confiera selon la sainte doctrine et à le protéger par la prière et le jeûne. Je m'engage à collaborer dans le cadre de cinq ministères dans le travail pour le perfectionnement de saints et cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Je m'engage à servir l'exemple et à être le modèle du troupeau du Seigneur en marchant dans l'obéissance au Seigneur sous la conduite du Saint-Esprit et dans la soumission aux autorités établies par le Seigneur dans l'Église. Avec foi, je sollicite la grâce du Seigneur. Moi, Kaman Gongolais, Sarah, en ce jour de ma consécration, en tant qu'ancien associé au sein de l'Assemblée du Plein Évangile, je m'engage à aimer mon Seigneur Jésus-Christ. Moi, Anthony Chilo, à ce jour de ma consécration en tant qu'ancien associé au sein de l'Assemblée du Plein Évangile, je m'engage à aimer mon Seigneur Jésus-Christ et à le servir de tout mon cœur. Suite à votre engagement et déclaration qui a été faite d'une manière publique, nous vous consacrons en tant que couple ministre du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Suite à votre déclaration qui a été faite publiquement devant le Seigneur, nous vous consacrons en tant que couple ministre du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suite à votre déclaration qui a été faite publiquement et non en cachette devant le Seigneur et devant son peuple, nous vous consacrons devant le Seigneur, ministre du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amour, présent. Chant.
Dieu vivant notre Père, à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la joie de vous présenter nos pasteurs qui ne sont plus des futurs mais qui sont des pasteurs associés à l'œuvre de Dieu. Nous avons la joie de vous présenter non plus nos futurs anciens, mais nos anciens dans l'œuvre du Seigneur. Vous êtes des pasteurs aujourd'hui. Vous avez devant vous une personne que vous semblerez peut-être appeler pasteur, mais je vous dirais que ce n'est pas votre collègue pasteur, mais c'est votre papa. Servez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre foi, dans la persévérance, la limité, et Dieu seul qui vous a appelé, lui seul aussi, va vous élever. Que la limité derrière vos parents sur Dieu. Votre présence doit devenir la joie des papas et mamans camerounais. Comment les contrer la tristesse. Et votre élévation, c'est une occasion pour papa et maman de se reposer un peu pour se ménager l'enfant. Soyez comme Yves et Aaron face à Moïse. Quand les mains des papas seront un peu fatiguées, de la bouche et de la bouche. Toujours lui devant vous gagner. Ce n'est pas une compétition. Mais c'est Dieu qui a choisi à faire ainsi. Et c'est le travers de lui que Dieu nous appelle. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si vous honorez vos parents, vous serez honorés. Si vous honorez, vous n'honorez pas, vous ne serez pas non plus honorés. Voici le conseil de votre Père aimé. Je vous ai de l'amour du Seigneur. J'ai fait que vous connaissez, vous signifiez, ma sympathie, c'est mon amour pour vous, pour vous bénir. Quelles sont les ici. Amen, amen.